Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter des courriers. Donc, voilà, j'ai déjà reçu une magnifique carte sur la technique que j'avais fait du tamponnage. Donc, c'est Stéphanie Abigail. Et Stéphanie, je te remercie beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, je vais te répondre à tes vœux dans la semaine. Donc, elle a fait la technique du tamponnage. Elle a mis des petites maisons, j'aime beaucoup, et des demi-strass. J'aime beaucoup cette technique, c'est vrai que ça fait super joli. Donc, Stéphanie, je te remercie beaucoup. Et elle m'a mis des découpes que je vais mettre de côté. Après, c'est des étiquettes, des choses comme ça. Donc, peut-être que je les utiliserai dans le mois, je ne sais pas. Enfin, dans l'année, on va dire. Donc, elle a mis deux découpes, un fond bleu très clair et là, un peu plus foncé. J'aime beaucoup. Hop, là, c'est des étiquettes comme ça. Là, on a fait des comme ça. C'est vrai que c'est toujours utile, ces étiquettes. Hein, et c'est du travail. Alors, je te remercie beaucoup, beaucoup parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Donc, elle est toute simple. Là, en plus, c'est tout travaillé. Et du coup, voilà, en fond vert, jaune comme ça. Moi, jaune, j'aime beaucoup. Là, en bleu et en blanc. Là, un meilleur vœu par millier en cette journée très spéciale. Ah, ben, celle-là, elle est super jolie. Je vais l'imprimer parce que j'ai pas. Donc là, comme ça, holographique, en rose. Ces petits détails dont on veut se souvenir toujours. J'aime beaucoup. Elle a ancré un peu en vert. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et une autre comme ça en bleu. Donc, hop, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Stéphanie, merci beaucoup. Voilà pour le premier courrier. Alors, faut pas que je perde l'adresse. Ensuite, nous avons Martine Cheval. Alors, j'aime beaucoup. Déjà, ouais. Je vais essayer de vous faire voir. Elle m'a mis une étiquette là. Hop. En fait, c'est des anges. J'aime beaucoup. Alors, je cache parce qu'il y a. Il y a comment mon adresse. Mais merci beaucoup, vraiment merci. Donc, bien sûr, je vous souhaite aussi mes meilleurs voeux. Et oui, j'ai l'adresse, donc je pourrais répondre aussi. Et du coup, c'est une carte coulissante, j'adore. Donc voilà, et là, c'est marqué meilleurs voeux. C'est tout embossé à chaud. Et j'aime beaucoup, beaucoup en couleur or, avec le fond rayé comme ça. Et là, un hibou, moi qui aime beaucoup les oiseaux. Donc, les hiboux, c'est très. Ouais, ça apporte, je sais pas, je trouve que ça apporte du calme. Enfin, j'aime beaucoup. Sur un fond tout fleuri, là, avec des petites. Des petites choses. Et là, trois petites demi-perles. Chantal, je te remercie vraiment beaucoup de ton magnifique courrier. Voilà. Et bien sûr, je vous réponds. Je vais faire mes cartes dans la semaine. Oh ben, il y en a une que j'ai même pas ouverte. Comment ça se fait? J'ai dû pas y faire attention. C'est. Ah, ben, oh, elle est trop belle. C'est Juju, ouais, voilà. Ouais, surtout la santé. C'est le plus important, Juju, je te remercie. Merci beaucoup. Je vais faire la carte et c'est pareil avec la petite chose que je t'avais, voilà, promis. Ça va être dans l'envoi de cette semaine. Donc, j'adore. Elle a fait un fond donc en noir avec du tamponnage derrière, des petites taches comme ça.
Ça rend super joli. Je les ai vus sur Facebook, mais ça rend super bien. Là, c'est un cadre avec des petites écrits, des étoiles dorées. Et vraiment, elle est super belle aussi. Je te remercie beaucoup, ma petite Juju. Et je pense bien fort à toi aujourd'hui. Ensuite, j'ai les créations de Virginie, donc qui m'a fait une magnifique carte aussi. Alors toi, je ne te réponds pas parce que Virginie, je t'ai envoyé un courrier, je ne sais pas si tu l'as reçu. Il est parti la semaine dernière. Donc il y a Virginie, il y a On Pierce. Et Alvaret Nathalie et Marie-Paul. Je ne sais pas si vous avez reçu vos courriers. Si vous voulez bien me le dire, voilà, comme ça je serai rassurée. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année remplie de belles surprises, enrichie de bonheur, riche en créativité. Ouais, j'espère. Merci beaucoup, il est super chouette ton tampon. Donc, elle a fait un fond comme ça. Moi, je suis un peu comme Virginie, j'aime bien un peu le Noël traditionnel. Et c'est vrai que là, le papier, les fleurs, vraiment, voilà, ça me ressemble beaucoup. Et les demi-strass aussi. Virginie, je te remercie énormément pour ta magnifique carte. Merci beaucoup. Donc, que des belles créations. Et ensuite, j'ai reçu un autre courrier. Hop, alors, sa carte là, qui est sublime aussi, j'adore, c'est Marie Callac. Vraiment, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, un grand panier avec plein de fleurs, tout colorisé. C'est super joli. Donc, sur un fond rouge et un fond holographique en doré, en couleur or, je vais y arriver, argent derrière. Et des petits tamponnages comme ça. Anne-Marie, je te remercie énormément. Elle est sublime, ta carte. J'aime. De toute façon, toutes les cartes sont belles. Toutes les cartes me plaisent. Et vraiment, voilà, à chaque fois, tout est différent. Je vais essayer de. Voilà. Tout est différent, mais c'est toujours des belles cartes. Et bien sûr, ça fait toujours plaisir de recevoir du courrier. Alors, Anne-Marie s'est pas arrêtée là, hein, comme d'habitude. Elle m'a mis des strass. Alors, ça tombe bien parce que les verts comme ça, j'avais pas. Vert jaune plutôt, je dirais, c'est plutôt jaune. Et elle m'a mis des demi-strass comme ça en jaune et en rose. Alors, ça, merci beaucoup parce que c'est vrai que j'en avais pas de cette couleur. Et elle m'a fait une jolie pochette comme ça, toute colorée. Là, elle a fait plein de petits de la neige, une belle étoile, une image là, un avion. Et derrière, voilà, Merry Christmas comme ça, sur du papier craft. Et j'aime beaucoup. Et dedans, elle m'a mis des petites choses. Donc, je vais ouvrir du ruban qui est toujours utile. Donc, hop. Voilà, du rose avec des petits cœurs. Un petit peu effet léopard, je dirais. Là, c'est du gris avec des petits cœurs blancs. Et celui-là, Love, il est super joli. Je vais le mettre de côté. Peut-être que je vais m'en servir celui-là pour faire une création. Je sais déjà ce que je vais faire pour la Saint-Valentin. Ensuite, elle m'a mis un sucre d'orge. Merci beaucoup. Il sera mangé, ça c'est sûr. Gourmande comme je suis. Et du thé. Et bien sûr. Marie Callac m'envoie jamais rien sur mes deux petits Milka. Je te remercie beaucoup, Anne-Marie. C'est rigolo parce que ça fait longtemps, longtemps que tu y penses à cette petite intention et ça me fait super plaisir. Donc, les deux petits Milka et un thé. Alors, c'est saveur
infusion bio au thym et au citron, saveur miel. Hein, alors ça, j'adore. Merci beaucoup. Ça, ce thé-là, j'adore. Donc voilà. Voilà pour tous ces magnifiques courriers. Vraiment, les filles, je vous remercie beaucoup de votre intention. Ça fait super plaisir. Et bien sûr, à celles que je n'ai pas encore écrites, je vais répondre. Et je voulais vous dire aussi, demain, il y aura une vidéo haul. Enfin, j'ai acheté plusieurs choses différentes dans plusieurs magasins, Action, je ne sais plus où, il y a Super U, enfin bref. Et du coup, demain, exceptionnellement, vous aurez une deuxième vidéo, enfin une vidéo haul et la vidéo tuto. J'espère que ça va vous plaire. Vraiment, sera jeudi, comme promis. Les tutos, ça sera tous les jeudis. Les courriers, les hauls, enfin s'il y a d'autres choses, ça sera avant. Donc, mais tous les jeudis, on a rendez-vous avec une création. Je vais dire ça. Et vraiment, je pense que ça va encore vous plaire, j'espère. C'est une création où vous pourrez faire un petit cadeau. Bien sûr, quand vous voulez, pour un anniversaire ou autre, ou même pour vous, tout simplement, qui sera facile aussi, accessible à tout le monde. Et c'est du matériel que vous avez sûrement chez vous. Donc, j'essaye, voilà, de trouver des choses qui vous conviennent et que vous puissiez aussi faire. Et j'en profite aussi pour vous remercier des bons retours. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a donné encore plus envie de faire ces tutos. Ça m'a apporté aucun regret d'arrêter, on va dire, de mettre un peu de côté le scrap. Vraiment, ma vidéo de jeudi, je vois que ça vous a super plu. Et la photo, d'ailleurs, la photo, c'est la création que j'ai faite. Vous savez, je voulais ma lampe là, elle marchait pas. Et après, ça faisait une trop grande vidéo. Mais donc, j'ai changé de lampe, je l'ai décorée. Et la photo, c'est la création que j'ai faite avec vous en vidéo, mais terminée. Et du coup, je voulais vraiment vous remercier de votre soutien et des bons retours que j'ai eus. J'ai vu que ça vous avait beaucoup plu. Pour une première vidéo comme ça, c'était pas évident. Je voulais quelque chose d'assez facile que vous puissiez faire vous aussi. Et du coup, vraiment, merci beaucoup de tous vos retours et j'espère que ça va continuer comme ça. Après, je vous demande de partager, vous savez, dans la barre d'infos, là en dessous ma vidéo, il y a le mot partager, il vous suffit de cliquer là-dessus et de partager. Je crois que les gens n'ont pas compris à quoi servait de partager des vidéos ou comment ça se passe. Donc, dessous la vidéo, dans la ligne, là, vous avez partager, vous cliquez dessus et vous pouvez partager. Plus vous partagerez et plus ça me fera découvrir à d'autres personnes qui pourraient, je pense que ça pourrait plaire et je suis un peu déçue parce que là j'ai que Martine Emen qui a partagé ma vidéo. Voilà, vous êtes nombreuses, ça vous coûte rien de partager une vidéo, c'est juste que moi après ça me fait un peu mieux connaître et c'est vrai qu'il y a d'autres personnes que ça pourrait intéresser et qui ne me connaissent pas. Et du coup, ça pourrait. Voilà, c'est bien aussi pour les autres. Ça fait partie du partage pour moi. Le partage de mes vidéos, vous les partagez avec d'autres personnes et je trouve que c'est sympathique pour tout le monde. Et en plus, c'est gratuit et en plus, ça vous prend 2 minutes. C'est vraiment hyper facile de cliquer là sur ce petit lien partagé là en bas et voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain, surtout prenez bien soin de vous et encore mille merci pour vos cartes qui me font énormément plaisir. À demain, au revoir.